Le thème du jour pour mon émission Au lit pour discuter. La mère, le fils, la copine ou la femme. Ce sujet me tient à cœur car ça fait des années que j'en parle autour de moi. Pour l'avoir vécu, vous savez, je suis quelqu'un qui ne me disputerait jamais avec la mère de mon copain ou de mon mari. Tout simplement parce que je comprends une mère. Vous avez des belles-mères qui n'ont pas encore accouché leur garçon, comme j'aime à le dire à mes amies femmes, qui passent leur temps à vouloir se disputer, à vouloir critiquer, à ne pas comprendre la maman d'autrui. Moi, j'ai eu ce genre de belle-mère. C'était pas la mère de mon mari, hein. C'était la mère de quelqu'un avec qui je sortais simplement. J'adorais cette dame par principe, parce que je la comprenais. Elle m'aime pas, je ne correspond pas à ce qu'elle attend comme genre de femme pour son fils. Étant plus jeune que moi, le fils. Ceci étant, j'ai toujours compris le fait qu'elle ne m'aime pas. On n'est pas obligé de vous aimer parce que vous êtes avec le fils. Non. Mais pour moi, je me dois de respecter cette dame. Donc, tout ce qu'elle pouvait faire, je lui donnais toujours raison. À tel point même que le fils ne comprenait pas. Et il m'a dit un jour, tu es la seule de mes copines qui n'a jamais affronté ni critiqué ma mère. Et je lui ai répondu, je trouve normal son comportement. Elle était dans notre vie. Je sors, je reviens, je la trouve avec son fils. Ok? Elle était omniprésente. Je comprenais cela. À tel point que cette dame, c'est elle qui a eu un problème de par mon comportement. Parce qu'elle s'attendait à l'affrontement. Donc elle a été surprise. Mais elle n'a jamais lâché l'affaire. Donc je ne comprends pas les femmes qui ne comprennent pas cela. Aller à l'affrontement avec une belle-mère, à quoi ça sert? De toutes les façons, qu'un homme se dispute avec sa mère, qu'il vous dise qu'il ne l'aime pas et tout ça, mais c'est des choses qui arrivent. Vous savez, quand il y a de la tension entre un enfant et son parent, bien évidemment que vous allez entendre que des choses négatives. Jusqu'au jour où tout cela se règle. Et à ce moment-là, si vous l'avez suivi dans ce que j'appelle la logique de guerre, eh ben, vous aurez honte en fin de course. Ce n'est que mon avis, mais mon avis a souvent été prouvé en fin de course. La belle-mère va finir par vous regretter quand vous serez parti. Tout simplement parce qu'elle va constater qu'un matin, ah mais finalement, voilà une dame qui m'a jamais manqué de respect, qui m'a jamais répondu, quel que soit ce que je disais sur elle. Parce que bon, on sait tous que vous êtes le sujet de critique de la belle-mère en permanence. Donc c'est à nous, les belles filles, de comprendre cela. Et de laisser faire les choses. Et si le fils choisit sa mère par rapport à vous, et alors, elle l'a mise au monde. Comprenez? Pour moi, ce n'est pas un sujet de débat, ni de palabre, ni d'incompréhension. Non. Ça ne veut pas dire que je vais rester avec toi. Quand une fois que j'ai compris et accepté que ta mère passe avant moi, bah, écoute, j'ai deux choix.
Ou je reste ou je pars. Voyez? Donc, vous savez, il faut arrêter de polémiquer sur tout et n'importe quoi. Il faut juste regarder les choses en face et accepter les faits et la réalité. Alors, on me répondait toujours, oui, mais tu te rends compte, en tout cas, moi, je ne peux pas accepter ce qu'elle me fait, je suis quand même sa femme, la mère de ses enfants et tout, oui. Et donc, comme je répondais, elle reste sa mère. Toi, tu vas partir, elle aimera ses petits-enfants. Et on me répondait, oui, mais de toutes les façons, en tout cas, moi, je vais me venger si je dois partir, que c'est à cause d'elle que je pars. Je vais lui faire payer, elle ne verra pas ses petits-enfants et tout. Vous trouvez ça intelligent? Je répondais, mais en quoi ça concerne les enfants? Il ne faut pas prendre en otage des enfants dans la vie. Et il faut toujours se mettre en couple pour les bonnes raisons. Quand je dis ça, on me dit, oui, mais toi, Muriel, tu es trop vieux, jeu et tout ça. Je dis non. Ce que j'appelle les bonnes raisons, c'est parler avec son cœur. Et pas son cerveau. Parce que quand tu parles avec ton cerveau, tu penses que l'autre qui t'écoute, il est bête ou quoi? Il répond juste pas, hein, mais il te voit venir. Alors, quand tu es honnête, dès le départ, et tu lui dis, bon, écoute, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, donne-moi temps, une maison, investis dans un business et tout, et il le fait ou pas. Mais si tu viens jouer, la fumiste, et qu'en fin de course, il te donne rien, ou le minimum vital, mais pourquoi est-ce que tu te plains? Il n'a juste pas relevé le fait qu'il savait pourquoi tu étais avec lui. Les hommes ne sont pas bêtes, mais ce n'est pas tous les hommes qui parlent, ils t'observent. Donc, autant jouer franc jeu dès le départ. Et il va te répondre quoi? Oui, mais tu es là à cause de mon argent et tout. Bah, écoute, si tu es là à cause de ça, autant lui dire et tu lui donnes ton prix. C'est pour ça que bah, les call girls, les femmes qui se font payer, bon, elles gagnent du temps. Hein? Et vous savez, ce sont des femmes qu'on finit par épouser aussi. Il ne faut pas croire. Mais au moins, ils savent à quoi s'en tenir et les sentiments peuvent venir en cours de route. Mais tout le monde sait dès le départ à quoi s'en tenir. Maintenant, si tu es venu avec ton cœur, il le constatera. Et ce n'est pas parce qu'on demande de l'argent à son homme qu'on est matérialiste. Ceci étant, qui n'aime pas l'argent? Donc, c'est un terme que je ne comprends pas. Elle est matérialiste, oui. Et donc, qui n'aime pas l'argent? Seulement, au lieu de zigzaguer pour avoir le matériel en question du monsieur, mais viens en ligne droite. Demande-lui, dis-lui les choses. C'est pour ça que quelqu'un comme moi, j'ai les trois quarts du temps eu de très longues relations. Et même avec des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Parce que dès le départ, je suis honnête. Bon, déjà, je viens vers toi parce que tu me plais. Donc que tu sois riche ou pas, c'est parce que tu me plais, je viens. On est bien d'accord. Mais admettons que je vienne pour le matériel. Mais je vais te dire ça clair. Et d'ailleurs même, c'est toi qui vas me draguer, puisque tu ne me plais pas. Donc, je ne vais même pas te remarquer. Donc, c'est toi qui vas venir me draguer. Et à ce moment-là, je vais te dire les choses clairement. Bon, écoute, tu ne me plais pas, mais j'ai besoin d'argent. Bon, c'est pas mieux. C'est plus simple. Et d'ailleurs, c'est sain. Alors, il va accepter ou pas? Moi, c'est mon point de vue. Et j'ai toujours fonctionné avec le cœur. Donc, peut-être que je ne serai pas milliardaire, millionnaire ou whatever un jour. Mais au moins, j'ai l'esprit en paix. Le cœur froid. Aucun homme que j'ai eu dans ma vie ne pourra venir dire « Oui, c'était à cause de ci ou ça. » Non. Vous voyez? Je ne vais pas m'étendre plus comme d'habitude, vous savez, il ne faut pas parler pour parler. Il faut dire juste les choses.
Après, ceux qui comprennent ont compris, ceux qui sont d'accord ou pas, c'est eux qui voient. Mais quand tu n'es pas venu avec ton cœur vers un homme, quand tu vas regarder derrière, tu vas te dire, ah, je me suis loupé parce qu'il m'a eu. Non, il ne t'a pas eu. C'est toi-même qui t'es eu. C'était le mot de la fin. Je vous souhaite là-dessus un très bon week-end. Bisous! À la prochaine émission au lit pour discuter.